Je suis ravie de t'accueillir pour ce témoignage et ton récit d'accouchement. Donc, comment tu vas? Ta fille a quel âge maintenant? Ça fait combien de temps qu'elle est née? Faustine, elle va avoir 4 mois dans 6 jours. Ok, bien. Ça se passe bien ces 4 premiers mois? Oui. Cool. Elle dort bien, elle est adorable, tout va bien. Bien, donc Sonia, est-ce que tu peux nous raconter, donc Faustine, c'était ton premier enfant, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, la grossesse, ta préparation à l'accouchement et du coup, comment tu es arrivée dans le programme Objectif Naissance? Alors, la grossesse, elle a été un peu magique. Faustine est arrivée tout de suite quand on a essayé de faire un enfant. C'était notre petit cadeau de Noël de l'année dernière. J'ai été arrêtée un peu tôt parce que j'ai eu des petits soucis, mais ce n'était pas la grossesse qui me mettait des soucis. Du coup, j'ai dû déménager dans ma nouvelle maison où je me suis retrouvée isolée de tout le monde, de toute ma famille, de mes amis, etc. Bien sûr, pendant la période Covid, donc ça n'aide pas non plus. Et du coup, je me suis mise à commencer à chercher des informations, puisque moi, pour moi, c'était hors de question d'avoir la péridurale. J'en étais terrifiée, et voilà. Donc, j'ai commencé à chercher plein d'informations. Et un jour, j'ai eu une petite notification. Tiens, il y a un programme intéressant. Est-ce que tu veux faire le challenge avec Marie-Laure et tout? Et du coup, je dis, bah, vas-y. Allez, hop. Et de là, j'ai débarqué dans le challenge. Ça m'a vachement plu d'avoir toutes ces femmes qui ont la même vision de l'accouchement et de la maternité que moi. Et du coup, après, j'ai voulu suivre le programme pour déjà pour m'occuper, m'informer plus, parce que c'est important de s'informer. On ne trouve pas toutes les informations comme ça, libre d'accès, il faut arriver à faire le tri. Ce que je suis un peu feignante, donc voilà. Et j'ai bien compris qu'il y aurait une espèce de sororité qui allait se mettre en place avec les autres participantes. Donc, ça a été un petit cheminement pour arriver à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et puis finalement, on l'a fait et c'était super, super cool d'avoir ces visios toutes les semaines, de suivre les cours, de prendre mes petites notes. Et ça m'a vachement aidée. Yes. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement? Allons directement dans le vif du sujet. Mon accouchement, il a été un peu long. On va partir de ma date de terme, donc le 14 août. Sachant que depuis 2-3 jours, j'avais déjà des contractions et j'étais en mode nuit blanche depuis 3 jours. Je suis arrivée très fatiguée à mon rendez-vous du 14 août en disant « Oh là là, quand même, les contractions commencent à être un petit peu, un peu plus fortes, je les sens un petit peu dans le dos, etc. » Donc la sage-femme m'a examinée, m'a dit « Vous êtes dilatée à 1 ». On va vous faire un monito, rentrer, puis après vous allez rentrer chez vous, je pense. Donc elles me font le monito, bébé va très bien. Moi, je gère plutôt pas trop mal les contractions. Enfin, je dis pas trop mal parce que c'est surtout par rapport à après. J'étais au courant que ça allait venir crescendo, donc bon, je m'étais préparée à tout ça. Pendant les jours précédents, j'avais fait beaucoup de positions sur le ballon, j'avais essayé de faire de la respiration, etc. Donc, désespérée, je rentre chez moi en me disant ouais, je croyais que c'était lancé et tout, je suis que à 1. Bon, c'est pas grave, on va faire des exercices sur le ballon. On m'avait prêté une petite piscine, donc du coup, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans la piscine. C'était super. Me mettre à genoux dans la piscine, voire même à quatre pattes, ça me faisait trop du bien. Ça portait bébé dans mon ventre. Trop bien.
À un moment, j'ai perdu le bouchon muqueux et les contractions se sont un petit peu intensifiées. Vraiment très douloureuse dans le dos, ou celle du ventre à la limite. Voilà. Et du coup, je vais voir Manu, mon chéri, et je lui dis oui, j'ai perdu le bouchon muqueux, tu crois qu'il faut que je les rappelle? Il me dit bah vas-y, rappelle-les. Et du coup, bah, je les appelle et ils me disent bon, bah, s'il y a eu un changement, vous revenez. Donc bah, là, on prend les affaires de base, mais pas tout non plus, en se disant de toute façon, ils vont nous renvoyer à la maison. Donc on y va. On arrive, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui accouchaient en même temps. Donc, je suis arrivée dans le sas de la maternité et là, il y avait déjà une nana en fauteuil roulant, en chemise, qui attendait. D'accord. Et là, moi, je me suis dit, oh là là, oh là là, je vais accoucher dans le couloir. J'avais l'impression que j'étais dilatée à 12 mois. Et mes contractions me jettent un peu à terre quand même. Déjà à ce moment-là. Donc, les sages-femmes arrivent, je suis à quatre pattes dans le petit sas de 2 mètres carrés là. Elles disent ouh là là, madame Morel, bon, on va vous mettre en salle d'observation. Enfin, je crois qu'on a mis en salle d'observation au début. Le temps de préparer la salle de pré-travail. Mm-hmm. Je rappelle en passant si je peux avoir la salle nature, c'est cool. Ah bah oui, c'est la seule qu'on a de libre. D'accord. Cool. Au moins, j'aurai mon accouchement en salle nature. Du coup, je ne sais plus. Ils ont dû me faire bah, le classique toucher vaginal, remonitoring, en sachant que je ne voulais pas le monitoring en permanence. Donc, ils ont dit, il n'y a pas de problème. On vous le met, on vous l'enlève. Et quand vous serez dans le bain, si vous voulez, on mettra le monitoring sans fil. Donc, on fait ça. Après, on va... Bon, bah, toujours dilaté à 1. Donc, moi, je panique. Je me dis, mais ça s'est intensifié, ça n'a pas bougé. Je panique un petit peu. Mais bon, après, je me dis, c'est bon, Manu est avec moi. La petite va bien, ça va bien se passer. Les sages-femmes ont l'air sympas. J'avais pas encore réalisé qu'elles avaient vraiment beaucoup, beaucoup de travail cette nuit-là. Parce que là, il était... je sais pas, 20h, 20h30, on est arrivé en plein changement d'équipe et tout, enfin, voilà. Donc, on y va, on arrive dans la salle de pré-travail après, donc qui n'est pas la salle nature. Moi, j'ai eu 3 salles d'accouchement, en fait, en réalité. J'ai eu la salle de pré-travail, la salle nature, où j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les deux, après la salle d'accouchement et après le bloc. Et donc, du coup, là, on est samedi soir, on s'installe, commence un petit peu une observation de la part des sages-femmes qui viennent me voir de temps en temps. Moi, je souffle beaucoup parce que c'est le seul truc duquel je me rappelle. Je souffle et quand j'ai trop mal, je me mets un peu accroupie sur la table de travail. Enfin, c'est pas une table de travail, c'est pas le truc avec les étriers et tout, hein. C'est un espèce de lit un peu plus confortable que la salle d'observation. Je marche beaucoup, je vais beaucoup sur les toilettes. Alors, pendant tout mon accouchement, le meilleur endroit où je me sentais bien, c'était accroupie sur les toilettes. Ça faisait rire tout le monde. Et donc, tout ce temps-là, elles reviennent, elles refont un toucher vaginal. Moi, ça ne m'a pas trop dérangé, les touchés vaginaux. Je me dis, au moins, comme ça, je suis tenue au courant. Bah, vous êtes toujours à 1 au bout de 3-4 heures. Bon, d'accord. Et à un moment, je ne sais pas, je sens comme une petite panique et j'ai envie de pousser. Je dis, non, non, mais il ne faut pas que je pousse et tout. Et genre, je sens un crack. Et là, j'ai fait pipi ou pas. Donc du coup, on a appelé la sage-femme, c'est l'auxiliaire qui est venue, parce que la sage-femme était en train de faire je sais pas combien d'accouchements en même temps, qui me dit non mais on va faire le petit test, et là elle met la bandelette, elle dit ah c'est du liquide amniotique, bon ben je vais vous préparer une chambre. Donc Manu dans l'incompréhension la plus totale, mais je comprends pas, il y a 2 minutes t'allais rentrer à la maison parce que t'étais K1 et puis là on te met en chambre. Du coup je sais pas si je lui ai expliqué ou pas
Je lui dis non, mais c'est comme ça, t'inquiète. Donc voilà. Là, on va à l'étage du dessous, je crois, où on nous installe dans une chambre. La sage-femme me dit ben, je vous laisse à mon numéro. Vous m'appelez quand vous vous sentez prête à repartir en salle de travail. En attendant, installez-vous, prenez-vous une douche. On vous donne un ballon, vous vous mettez sous la douche, dans le ba... enfin, sur le ballon dans la douche. Ça, c'était super bien. Et je regrette un peu de ne pas l'avoir refait en salle de naissance parce que je pense que ça m'aurait fait du bien. J'ai pas osé. Je sais pas pourquoi, j'ai pas osé leur dire ah, je veux bien un ballon dans la douche. Voilà. Je voulais pas pourrir trois salles de bain, je crois. Et du coup, là, il est tôt le matin. Enfin, très très tôt dans la nuit, en fait. Donc, on essaye de dormir. Manu, il n'a pas eu de lit tout de suite. Donc, il avait une la chaise d'allaitement là, toute pas très confortable. Et moi, j'arrivais pas à dormir. Impossible. Impossible. Donc, à un moment, je lui dis, bah écoute, vas-y, installe-toi sur mon lit, moi je vais remonter. Je vais remonter, ils t'appelleront s'il y a un souci ou quoi. Mais je sens que j'ai besoin d'être avec une sage-femme, avec quelqu'un qui m'accompagne, qui sait en fait. Donc, je remonte. Là, elle me dit, ben, tiens, on va te faire un bain vu que c'est ce dont tu as envie. Viens, on va dans la salle nature, on t'installe. Donc, en fait, ma salle de pré-travail, il y a toujours eu mes affaires dedans. D'accord. Non, c'était ma deuxième. Ouais, non, parce que du coup, elle me donne une autre salle de pré-travail. Et après, donc, on va dans la salle nature, elle m'installe. Moi, j'ai pas pensé à mettre de la musique et tout. J'avais vraiment envie de calme, de me poser seule. Là, à ce moment-là, ouais, j'avais envie d'être seule. Et dans le bain, trop bien, parce que je kiffe les bains. Donc, je suis restée 1 heure et demie dans le bain, à changer de position et tout. Voilà. J'ai encore perdu du bouchon muqueux. Super, c'est. C'est comment dire, c'est vraiment en train d'avancer, etc. Et mais quand même, au bout d'une heure, je commence à avoir les contractions qui me font bien mal. Et je tiens encore une demi-heure dans le bain. Après, elle vient me chercher. Elle voit que j'ai pas réussi à dormir. Elle me propose de me mettre dans la salle de pré-travail, bien au chaud, avec une couverture chaude et tout. Et elle me dit, si tu veux, je peux te proposer. Je sais que je ne dois pas te proposer la péridurale, que tu n'en as pas envie, etc. On ne va pas te la proposer maintenant de toute façon parce que tu n'es pas assez dilatée. On peut te proposer du Nubin. Donc, c'est un dérivé de la morphine. Bah, pff, ok, si ça peut m'aider à dormir, ok. Donc, elle me met sous le Nubin. Et moi, je ne me dis pas, à aucun moment, je me dis, faut que je prévienne Manu. Parce que pour moi, il dort. Et alors, a priori, il s'est réveillé, lui, à ce moment-là. Donc, il y a eu au moins 2 heures où il s'est demandé où j'étais. Donc, moi, complètement shootée sous le Nubin. Ah, trop bien. Oh, je peux dormir un petit peu. Alors, je ne sais pas si j'ai dormi, mais j'ai pu me reposer. Et après, il y a eu le changement d'équipe. J'ai pas vu trop la sage-femme, en fait, la nuit, hein. Elle est juste venue me faire les installations, etc. Puis les antibiotiques aussi, quand il y avait besoin. J'étais en cathéter débranché, puisque c'est ce que j'avais demandé. Donc, super, vraiment à l'écoute. Elle me laissait boire, manger, etc. Elle revient me voir, elle me dit, bah vous allez peut-être aller petit déjeuner dans votre Super. chambre. Donc je dis bah ok. Puis je vais chercher mon compagnon en même temps. Et en fait, mon petit déj, il l'avait déjà eu et il l'avait déjà mangé. Non. Mais de toute façon, en fait, j'avais pas faim. Pas là-dedans, moi. Et donc du coup, je dis, bah viens, on va remonter et tout. Je sais pas si j'ai pas repris une douche, je me rappelle plus. Voilà, je prends mes affaires, on remonte et là, la super sage-femme qui débarque. Ça y est, elles avaient accouché tout l'étage, on n'était plus que deux en travail, donc deux sages-femmes, deux femmes, super.
Trop bien. Et du coup, j'ai eu la sage-femme la plus physiologique, donc celle qui faisait l'hypnose dans l'hôpital. Donc j'ai eu trop de la chance. Frédéric, ça a été ma bouée tout le dimanche. Et donc elle me dit, Madame Morel, il est super votre projet d'accouchement. J'adore. On va faire tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à accoucher sans péridurale. On va y arriver toutes les deux. Je vais vous mettre sous hypnose. Monsieur va m'aider et tout. Trop bien. Trop bien. Génial. Et du coup, elle arrive à me mettre sous hypnose légère avec Gigi. Gigi, la Gigi. C'est le doudou de ta fille? C'est le doudou de ma fille que j'avais choisi quelques semaines avant. Et elle m'a dit, est-ce que vous avez un truc pour serrer dans votre main et tout? Et je dis, ah bah, voilà, Gigi. Et qui m'a suivi du coup tout le long de l'accouchement. la fin de l'accouchement. Donc là, ça fait quand même bien 24 heures que j'ai des vraies contractions. Je commence à être un peu fatiguée, etc. Ouais. Donc, je ne sais pas. Je ne sais plus ce qu'on a fait exactement, mais à un moment, j'ai repris un autre bain où Manu m'a mis de la petite musique. C'était trop bien, ça. De la musique avec des baleines et tout. Je sais plus, il était là à côté de moi, en tout cas il était présent parce que je voulais pas qu'il me touche. Moi je rêvais d'un accouchement où il me ferait des massages, il me tiendrait la main et tout. Ah non, ça n'a pas été possible, le pauvre. Dès qu'il me touchait, je disais non, me touche pas, t'es brûlant. Alors que la sage-femme me tenait les mains, elle me faisait tout ce qu'il fallait. Elle, ça passait, lui, ça passait pas. Donc, bon, Bichette, lui, ça a été, je pense que ça a été très, très long pour lui parce que moi, je ne me rends pas du tout compte de la durée de l'accouchement. Je pense que c'est comme ça pour toutes les femmes. Oui, c'est normal. Pareil, moi, j'avais l'impression que les contractions, j'en avais une toutes les 10 minutes, un peu hardcore, mais toutes les 10 minutes. Lui, quand il raconte, c'était plutôt toutes les minutes. Ouais. Ouais, donc tu avais bien décroché quand même au niveau néocortex. Ouais, voilà. Vraiment, l'hypnose m'a vachement aidée là-dessus parce que ça m'a aidée à... évacue un peu. Moi, j'ai eu l'impression de ralentir les contractions. Je les acceptais mieux. J'étais à quatre pattes dans tout l'hôpital. Parce qu'à chaque fois, quand j'allais d'une salle à l'autre, bah, j'avais deux contractions, en fait. Donc, une à l'entrée de la salle, une à l'entrée de l'autre. Donc, je me jetais par terre à quatre pattes et je faisais « Ah !» Mais vraiment, j'avais retenu bouche ouverte, col ouvert. Donc, je faisais « Oh !» Du coup, tout le monde rigolait. C'était très drôle. Bon, voilà, c'est pas grave. Tout l'hôpital m'a vu. Donc, ça, c'était mon deuxième bain. J'ai pas profité des autres installations. Il y avait une corde à pendre, tout ça. J'avais pas envie, en fait. Y avait un tapis, donc j'ai beaucoup utilisé le tapis qu'on a déplacé dans ma salle de pré-travail. Où au final, j'étais mieux. Je sais pas, dans cette salle de nature, il y avait une... Enfin, je me sentais pas super à l'aise à part dans le bain. D'accord. Donc, à chaque fois, je disais non, je retourne dans ma salle où il y a mes affaires, tout ça. Et donc, du coup, je mange un petit peu à chaque fois. J'ai des petites compotes, des petits gâteaux. Enfin, voilà, je mange très peu. Je bois, tout ça. On me remet sous Nubin pour la deuxième fois. Sans me dire dès le début, t'as droit à que deux ampoules, meuf, pendant tout son accouchement. Si j'avais su, j'aurais gardé peut-être une ampoule pour plus tard. On me remet sous Nubin, je suis complètement shootée. Ouais. Donc, Gigi dans la main, voilà. Petite fun fact, à un moment, la sage-femme était très douce et me disait que je travaillais très bien. Elle me rassurait tout le temps, elle me disait « tu fais vraiment le meilleur travail, super ». Bon, mon col ne dilatait pas, mais moi, je travaillais bien. Et à un moment, elle dit vraiment… Emmanuel, faudra lui faire un beau cadeau à votre femme parce qu'elle travaille vraiment très bien. Et elle me dit, vous voulez quoi? Et moi, j'ai dit, je veux juste de l'amour. Juste de l'amour. J'aurais dû demander plein de trucs. C'est moi qu'il fallait demander ton soir et vos os.
Ah, zut. Mais bon, Loupé. voilà. Ah, zut, j'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Mais bon, tout ce temps-là, moi, je sens la poussinette pousser, travailler. Je la sens se déplacer. Mais à un moment, je dis, c'est bizarre, elle n'a pas bougé comme ça jusqu'ici. Je pense qu'elle est pas dans le bon sens. Là, elle regarde, chichi, il y a bien sa tête en bas. Et en fait, je le saurais que bah, au rendez-vous des 6 semaines après l'accouchement, elle regardait vers le haut. Donc, du coup, ça bloquait. Donc, j'avais raison depuis le début. Et à un moment, je dis, vous voulez pas me faire la césarienne là, maintenant, j'en peux plus là. Pff, voilà. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Va falloir passer par d'autres étapes avant. Bon. Donc, on en est au deuxième nu bain, tout ça. Je reprends encore un bain, mais là, à chaque fois, vraiment très vite, je souffre dans le bain. Vraiment, Tu sais à j'ai. combien tu étais dilatée à ce moment-là? Au deuxième numéro? Au deuxième nu bain, j'étais à 3, 5. Pff, non. Ouais. Maxi 5. Vraiment. Je crois que j'ai stagné à 1, 3, 5, puis 7. Ok. Voilà. Enfin, c'est les touches vaginaux qui m'ont fait, en tout cas. Et là, à partir du deuxième nu bain, c'est un peu perdu dans ma tête. Parce que je commence à vraiment souffrir, souffrir. Je suis fatiguée. La petite, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et je vois bien que ça avance pas. Donc, je demande un troisième nu bain à un moment. Et on me dit, ah non, non, mais là, c'est pas possible. Et vers 20h, donc là, il s'est passé plein de temps hein, quand même. Vers 20h, je sais que c'est le changement de shift. Et là, Frédéric vient me voir et me dit, bon, Sonia, je suis embêtée, tu stagnes, on n'arrive pas à avancer. On a plusieurs options. Ou on reprend un bain, ou je sais plus, elle m'a proposé plusieurs trucs. Et là, je dis, non, mais je crois que je vais prendre la péridurale. Parce que je me suis rappelé ce que tu me dis dans le programme. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux encore faire de plus? Et là, on avait tout fait. J'avais fait le nu bain, j'avais pris des positions physiologiques. Et j'étais pas bien. Voilà. Donc, je dis, bon, c'est moi qui demande la péridurale, on ne me l'impose pas. Et elle me dit, oh là là, t'es vraiment une warrior, je sais que t'en as super peur. Ce que je fais, je finis mes papiers et je viens m'occuper de toi et je te mets sous hypnose pendant qu'on te pose la péridurale un peu plus forte pour que tu arrives à supporter la chose. Et donc là, je ne sais pas combien de temps s'est passé. On va m'installer dans la salle d'accouchement. Parce qu'à partir du moment où j'ai eu la péridurale, j'étais dans la salle d'accouchement, qui est une salle beaucoup plus froide, sombre. Et le changement d'équipe, en plus, je pense qu'il y a une autre vague de mamans qui sont arrivées et c'était compliqué. L'autre maman qui a travaillé en même temps que moi tout le temps, elle est en train d'accoucher. Donc, j'arrive, je me dis cool et tout, péridurale, ça veut dire que ça a bien avancé. Je devais déjà être à 5, je pense, là. En me disant ça va avancer, voilà. Donc ils me mettent la péridurale. Donc je suis passée de hurler de douleur à plus rien. Plus rien. Je sens plus rien, je sens plus mes jambes. La sensation est vraiment chelou. Et encore, il me la met léger. Et il me dit, je vous mets un petit pouet-pouet, vous appuyez si vous avez trop mal, mais je vous l'ai mise légère parce que je sais que vous voulez sentir. Ok, d'accord. Donc, le temps que mon corps assimile la péridurale et tout, je pense que j'ai dormi 1 heure, quelque chose comme ça. Donc, ça m'a fait du bien quand même. Parce que c'était, à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin, de dormir pour pouvoir avoir les forces pour accoucher. Ils étaient très inquiets. En fait, je les sentais inquiets hein, quand même, hein, de tout ce temps-là que je n'avais pas dormi, etc. Manu, il avait des cernes jusque-là. Il n'en pouvait plus, Bichette. Il n'avait pas les hormones pour le booster. Bah non, lui, il avait les hormones de l'angoisse. Il avait l'impression que j'allais mourir, Bichette. Et donc, péridurale. À un moment, j'ai un peu mal. J'appuie, hop. En fait, la péridurale s'était débranchée dans mon cou. Donc, en fait, le liquide me coulait dans le cou. Ne servait plus à rien.
Je la rebranche tant bien que mal. J'appelle les nanas qui sont hyper occupées, donc qui arrivent au bout de je sais pas combien de temps. Je dis, alors ça s'est décroché, je ne sais pas si c'est normal, nani nana. Et je dis, je commence à ressentir mes jambes, est-ce que je peux me mettre dans une autre position que assis allongée? Et là, elles m'ont aidé à me mettre sur le côté. Donc c'était mieux déjà. J'ai pu relever une jambe et tout, bouger un peu mes fesses. Après, elles m'ont mis de l'autre côté. Et après, elles m'ont mis à quatre pattes sur le ballon, sur la table, toujours avec la péridurale et tout, donc branchée dans tous les sens. Et à chaque fois qu'elles venaient voir le monito décontraction, elles étaient « Oh là là, vous en avez des sacrés !» Mais moi, je sentais rien. Ok. Alors, j'avais un peu mal au dos, mais je sentais rien. Et par contre, la petite, elle pétait le feu. Pas de détresse fœtale, rien du tout. Et à un moment, donc elle vient, elle me dit « Ah, vous êtes dilatée, vous n'avez pas l'air dilatée, il va falloir qu'on perce la poche des os. » Donc, c'était ma deuxième peur. Mais là, je dis « Bon, bah, vas-y, perce la poche des os. Je vous promets, ça ne va pas vous faire mal, on fait ça tout doucement. » Effectivement, ça a été fait vraiment dans le respect, perçage de la poche des os. Donc. D'accord, donc au tout début, tu n'avais pas percé la poche des os, en fait. C'était juste... En fait, j'avais percé la première poche. D'accord, la première membrane. Ouais, donc là, en fait, à un moment, elles se sont rendues compte qu'il y avait toujours la membrane. Okay. Et que j'ai... Ça devait être quand j'étais dilatée à 5. Donc, perçage de la poche des os. Après, une heure après, ils reviennent, ça n'avait pas bougé. Et moi, j'avais mal. Mm-hmm. Et là, ils m'ont mis l'ocytocine de synthèse. Mm-hmm. C'est le seul réel regret que j'ai de mon accouchement, d'avoir accepté cette ocytocine de synthèse. Parce qu'en fait, ça n'a rien fait. Ok. Ça n'a rien fait du tout. À un moment, je suis dilatée à 7. Mmh. Et là, ça stagne pendant plus de 3 heures. Okay. Et au bout de 3 heures, elle arrive. Elle me dit « Bon, Madame Morin, on a un petit souci. Vous êtes vous bougez plus là depuis 3 heures. C'est césarienne. Pardon. Je l'ai demandé il y a 12 heures. panique à bord. Je me rends compte que ça avance vraiment pas et qu'il y a un problème. Et j'ai peur pour mon bébé, en fait. Complètement con, parce que elle allait bien. Et donc, du coup, je dis non. Si, si, si. Bon, d'accord. Allez demander au médecin, quand même, si on peut attendre un peu. En fait, ça a duré jusqu'à 3h30 de stagnation. Et là, le médecin arrive, il dit « Bonjour, je suis machin, c'est moi qui vais vous faire la césarienne. » Bon, ben, je vous explique, là, on va vous mettre une sonde urinaire. Non, c'est mort, vous ne mettrez pas de sonde urinaire. Si, 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 si. Mais on vous promet, on vous l'enlève tout de suite. Mmh. Bon, ok. Et alors, ça ne fait pas mal du tout. Voilà, pour les prochaines mamans, ça ne fait pas mal. Moi, j'avais peur que ça fasse mal, etc. Ça ne fait pas mal. Là arrive l'anesthésiste. Du coup, la péridurale, c'était l'interne qui me l'avait fait. Et là, je commence à paniquer en me disant j'aimerais bien que ce soit le vrai anesthésiste qui vienne. Enfin, le vrai. L'interne est un vrai anesthésiste, mais voilà. Et là, arrive un mec super sympa qui fait des blagues et qui me dit non, mais j'ai bien lu que vous vouliez un accouchement plus naturel, on peut faire plus léger et tout. Je dis ok pour la césarienne, mais je veux pousser. D'accord, alors laissez-nous recalculer 2 secondes la bonne dose et tout, pour que vous sentiez que vous puissiez, puissiez nous aider. Mais c'est plutôt cool comme idée, on a le temps, allez, on fait comme ça. On prépare pour le bloc. Je ne sais pas combien de temps ça a vraiment duré. Manu part pour se préparer, parce que du coup, il a eu le droit d'être avec moi pour la césarienne. J'ai eu trop de chance. Franchement, cette équipe-là, génial. Et les sages-femmes ont fini l'autre accouchement, donc on fait les soins du bébé et tout. Donc, j'ai deux nanas pour moi. Je ne sais pas si c'est deux sages-femmes ou une sage-femme et une auxiliaire, mais deux nanas qui sont là pour moi, autour de moi. On m'installe dans le bloc. Moi, j'ai très froid, je tremble. Comme ça. La meuf épileptique, mais pas du tout épileptique. Et là... eux, ça les inquiète parce qu'ils n'arrivent pas trop à me piquer pour l'anesthésie, puisqu'il y avait un autre truc à piquer, etc. Donc, ils me mettent un petit chauffage,
J'ai ma nuit qui arrive à un moment. Donc là, ça me rassure un petit peu, etc. Ils tendent le grand drap. Hop, vous voyez plus votre ventre. Je sens, mais vite fait, hein, c'est pas désagréable la préparation de la césarienne. Et là, il me dit, ça y est, allez-y, poussez. Trop bien. Allez, hop, je pousse une fois, deux fois, trois fois. Et je sens Faustine sortir. Je la sens vraiment. Enfin, c'est. Je sais pas comment l'expliquer, mais toute ma panique à ce moment-là, elle s'en va un petit peu. Un petit peu. Parce qu'elle crie pas tout de suite. Et au moment où, dans ma tête, je me dis. Mais pourquoi elle crie pas mon bébé? Pourquoi ça fait pas dans les... comme dans les films? Là, elle fait un petit miaulement, mais vraiment un petit. Je fais. Et là, on m'amène cette petite chose qui est en fait un mini Manu. Vraiment la même tête. On m'amène un mini Manu. Trop belle, trop. Voilà. Et du coup, je lui dis que je l'aime. Et toute la souffrance, toute la fatigue s'efface d'un coup, en fait. Je me moquais tellement des mamans avant qui me disaient non, mais tu vas voir, c'est magique une fois que tu l'as dans les bras. Bah ouais, c'est magique, on est toutes les mêmes. Et donc, mon premier mot pour elle, ça a été que je l'aime. Après, je me suis retournée vers Manu, je lui ai dit, t'as raison, elle a ton nez et elle a aussi tes oreilles. Ce qui a fait rire, je pense, le bloc entier. Après, donc, ils pouvaient pas faire les soins sur moi puisqu'ils étaient en train de me recoudre. Du coup, Manu est parti avec elle. Ils l'ont mis dans les bras, ils ont fait les soins avec elle. Enfin, les soins, ils l'ont juste essuyé un petit peu, etc. Et après, moi, ils m'ont emmené dans la salle de réveil, qui n'était pas vraiment une salle de réveil, mais c'était pas grave. Il est 3h30 du matin. Voilà, je suis encore toute branchée de partout et on me pose mon bébé sur moi, toute belle avec son petit bonnet et on commence le pot à pot. On essaye la tétée d'accueil qui a été un peu longue à arriver, mais c'est un moment magique tous les trois. C'est Manu qui m'a amené mon bébé. Voilà. Du coup, vous n'avez pas été séparés longtemps, juste le temps On a de. été séparés le temps de prépa. Enfin, Faustine et moi, juste le temps qu'elle fasse les soins. Et Manu et moi, juste le temps que. Deux fois, le temps qu'il s'habille pour aller dans le bloc et qu'il aille s'occuper avec Faustine. OK. Mais elle n'a jamais, de tout notre séjour à l'hôpital, en fait, même jusqu'à maintenant, elle n'a jamais été séparée de nous. Oui. Il y a aussi, on est allé faire des courses une fois, 2 heures, en la laissant à ma grand-mère, je crois. Mais voilà, jamais elle a été séparée de nous et ça a été respecté de A à Z. J'avais vraiment peur d'un accouchement ultra médicalisé, etc. Et en fait, vraiment, l'équipe s'est battue de A à Z avec moi, pas contre moi, mais avec moi, Oui. pour respecter mon désir d'accouchement naturel, au plus près des choses. Jamais on m'a imposé, alors si, sauf l'ocytocine de synthèse, mais c'était un moment où j'étais tellement fatiguée, de toute façon, que j'aurais dit oui en fait, un moment à tout. En me disant, de toute façon, c'est le protocole, en fait. Là, à un moment, en fait, à partir du moment où je suis rentrée dans la péridurale, on est rentré dans un protocole et voilà. Mais j'aurais pas pu. J'aurais pas pu, en fait, voilà. Et ça, on me l'a pas dit. Ils ne m'ont pas dit tout de suite. C'est peut-être un dommage. Dommage, parce que moi, j'ai culpabilisé de mon début de maternité pendant longtemps jusqu'à ce que je vois la gynéco qui me dit non, mais de toute façon, primipare, bébé qui regarde vers le haut, c'est très, 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 très rare. C'est peut-être 1% qui arrive à accoucher en voie naturelle sans péridurale. Hein. Donc, alors, sans césarienne, voilà. Donc, et puis, vraiment, je me dis, moi, mon accouchement naturel, je l'ai eu. Toutes ces premières heures, puisque j'ai pu faire tout ce que je voulais, j'ai pu me connecter avec mon bébé, j'ai pu communiquer avec elle, j'ai pu. C'était drôle, hein, parce que quand je disais vas-y, pousse mon bébé et tout, je la sentais pousser, c'était génial et j'aurais pas été préparée, ça ne se serait pas passé comme ça du tout. Ah oui, En tu aurais fait. fait moins d'heures, je pense. Ah T'aurais bah fait j'aurais fait moins moins. d'heures et puis j'aurais pas. J'aurais, je sais pas, j'aurais craqué, j'aurais, je sais pas, Oui. j'aurais dit, tenez,
coupez-moi, ouvrez-moi, quoi. Enfin, vraiment, j'aurais vraiment plus insisté au moment où j'ai dit faites-moi la césarienne, quoi. Je pense que j'aurais très mal vécu la péridurale. Ouais. Parce que là, j'étais préparée à ce que, bah, à un moment, il faut accepter la péridurale. Parce qu'à un moment, faut pas se battre contre soi-même, en fait. Ça sert à rien. Et moi, je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait un tel nombre d'heures où je suis restée sans péridurale. À un moment, je commence à me dire, mais attends, mais c'est déjà la deuxième fois que le soleil se couche, en fait. Et c'est là où je me suis dit, Marie-Laure, elle avait dit qu'un accouchement, c'était naturel, c'était 5 heures. Là, ça fait 2 fois que le soleil s'est couché. Ok, on va peut-être prendre la péridurale parce que je vais pas pouvoir tenir très très longtemps encore. C'était vraiment, voilà, je suis allée au bout. En fait, c'est complètement con qu'ils doivent me faire une césarienne d'urgence parce qu'à un moment, mon bébé va se mettre en souffrance fœtale parce que moi, je pourrais plus. Donc du coup voilà, et puis vraiment l'instant où ils m'ont amené, où j'ai pu lui faire son petit bisou sur la tête, ça a effacé toute la douleur. Toute la douleur, toutes ces inquiétudes de oh là là, j'ai quand même pris la péridurale, oh là là, elle s'est pris des trucs dans les veines et tout. C'est pas grave parce que du coup, elle est sortie, elle est en bonne santé, elle va super bien, elle pète la forme, c'est le plus important en fait. Voilà. Yes. Donc oui, quand même des heures de travail dans la physiologie et puis au Voilà. final, bah, le recours à la médicalisation parce que des fois, bah, il y a besoin de cette médicalisation, mais tu as été super bien accompagnée, tu as quand même pu poser tes demandes au niveau de la césarienne et du coup, c'est chouette parce que Ouais. tu as l'air de l'avoir bien vécu. Toi, quand tu repenses à cet accouchement, comment tu te sens? Quels souvenirs t'en Bah, as? je me sens sereine parce que, ouais, moi je le dis, j'ai eu mon accouchement physiologique. Pas comme on l'attend. le fait d'avoir senti Faustine sortir, c'était Ouais. vraiment. Souvent, quand on en a un récit de césarienne, c'est on m'a arraché mon bébé de mon ventre. Là, non, Oui. c'est moi. Et vraiment, le médecin a été compréhensif là-dessus, puisqu'il l'a bien saisi quand on en a parlé tous les deux. Je lui ai dit, je veux pouvoir être actrice. Et il n'avait pas les mains dans mon ventre, hein. Il a repêché mon bébé. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc, du coup, de partir en positivité en se disant, OK, bon, il n'y a pas le choix, il faut que ça se fasse comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe au mieux, pour que moi, je l'accepte au mieux? Bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah voilà. Est-ce que la demande elle passe? Elle passe. Ok, vas-y, on le fait comme ça. Et puis j'ai envoyé juste avant qu'il coupe, j'ai dit j'ai envoyé plein d'amour à mon bébé. Je lui ai dit intérieurement, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va juste accélérer un peu notre rencontre et comme ça on est bien toutes les deux et on va pouvoir se voir. Parce que ce que j'avais peur, moi, c'était de la césarienne sous anesthésie générale où on t'endort, t'es enceinte et on te réveille, t'as un ventre tout vide, quoi. Et le fait que Faustine ne nous ait jamais quittés. Moi, par contre, j'étais pas préparée à l'après césarienne. Eh ben oui. Donc, en fait, je ne savais pas que normalement, dans le protocole normal de l'hôpital, mais c'est pas plus mal hein, pour le coup, on te laisse pas ton bébé. Normalement, on ne doit pas te laisser ton bébé, tu ne dois pas porter, tu ne dois pas bouger et tout. Moi, première chose que j'ai demandé en étant en chambre, c'est vous pouvez m'enlever la sonde, je voudrais prendre une douche et me laver les cheveux. Et les nanas, elles m'ont regardé avec des billes comme ça en me disant, mais elle est tarée celle-là. Et non, non, vous m'enlevez pas mon bébé, quoi. Mon bébé, il reste avec son papa, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Moi, je me sens de m'en occuper. Alors du coup, carrément, elles se sont tellement dit non mais elle est tarée qu'elles se sont pas occupées de moi pendant 3 jours. Enfin, en tout cas de ma césarienne et du fait que normalement j'aurais pas dû porter. Donc les filles, ne faites pas ça. Demandez à ce qu'on vous aide à porter votre bébé. Gardez votre bébé près de vous, mais demandez à voilà, parce que ça fait mal. Bah, et Ça puis fait du coup, mal là maintenant. c'était super du coup que le papa puisse rester avec toi. Ouais. Voilà, j'ai eu le papa avec moi les 2 premiers jours, je crois. Parce que la meilleure personne pour prendre le relais auprès du bébé, c'est quand même le papa. Oui, c'était donc ça, c'était génial. Mais bon, quand il n'était pas là, les petites périodes où ben fallait aller nourrir les chats, faire des déclarations, machin, bidule, Ouais. ben là, moi, j'ai tout fait toute seule et j'aurais pas dû. Ok.
Honnêtement, j'aurais pas dû parce qu'aujourd'hui j'ai mal à ma cicatrice et c'est très certainement dû à ça. Mais elle est belle, enfin voilà, mais bon, tant pis, si j'ai une autre césarienne, je ferai attention. Ok. Du coup, est-ce que le programme Objectif Naissance, c'est vrai qu'Objectif Naissance, c'est vraiment pour préparer l'accouchement physiologique. Du coup, on avait parlé un petit peu de césarienne, mais c'est pas une partie du programme. Est-ce que ça a quand même répondu à tes attentes? Est-ce que, vu que tu n'es pas allée jusqu'au bout du projet, qu'est-ce que ça t'a apporté quand même? Enfin... Alors, ce que ça m'a apporté, c'est la sérénité par rapport au fait que bon, bah, j'ai fait tout ce que je pouvais. Là, je ne peux plus. C'est pas grave de prendre la péridurale si tu es au bout de ta vie. J'aurais pas eu ton programme, je n'aurais pas été dans cette sérénité-là du tout. Ça m'a aussi apporté le soutien des amis, des copines. Maintenant, c'est vraiment mes copines. C'est les copines, voilà. Le soutien après, du coup, en poste, parce que bon, pendant l'accouchement, j'ai pas touché mon téléphone. Hein. Ce soutien-là que je savais que j'aurais de toute façon et que j'ai toujours aujourd'hui, ça m'a apporté cette sérénité de me dire j'ai tout fait et je suis prête pour un prochain accouchement s'il faut, physiologique, il n'y a pas de souci, je le ferai. Et vraiment, toutes ces étapes, ces positions qui m'ont aidée à tenir, si ça m'a aidé, mais déjà pendant la grossesse, en fait, ça m'a apporté de la sérénité, du bien-être et du ça m'a fait grandir aussi parce que ça fait avancer sur d'autres choses aussi. Mmh. Voilà. Alors, oui, j'ai pas eu mon accouchement par voie naturelle et physiologique, du coup, parce que j'ai fini en péridurale, mais je l'ai eu. Mmh. Pour moi, je l'ai eu parce que tout ce que j'ai vécu avant, là, ce grand laps de temps qui. Peut-être fait 30 heures, j'étais à fond, j'étais motivée, boostée par l'idée que j'avais toutes ces femmes derrière moi qui pensaient à moi et qui étaient reliées à moi et qui m'aidaient, qui m'envoyaient toutes leurs bonnes ondes. Et toute cette préparation que tu nous as fait, moi, les positions, jamais j'aurais pensé que je pouvais avoir une position autre que celle qu'on voit dans les films, hein. Même sans péridurale. Tout ça, j'aurais pas pu. Ok. Ouais. Quel apprentissage, quelle force tu as gagné pendant cette expérience de maternité et d'accouchement? L'apprentissage que je suis bien plus forte que ce que je le crois. Ouais. Que je suis capable. Que je suis la meilleure maman pour mon bébé. Ça, c'est aussi très, très important. Et qu'on va s'en sortir. Yes. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que je me souviens, pendant ta grossesse, que tu étais hyper flippée de la péridurale. Et finalement, tu as tout eu, quoi. La péridurale, la césarienne. Et tu en ressors avec une expérience positive. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce qu'au final, ce qui est important, c'est comment on en ressort, quelle émotion on a vécu. Et même si ce n'était pas ce qu'on en attendait, là, on t'écoute et c'est une expérience positive au final dans ta vie. On voit ton sourire, ton optimisme et ça fait plaisir. Merci. Donc, j'espère que ça pourra rassurer des mamans. J'espère aussi parce que d'autres l'ont mal vécu, la césarienne. Et grâce au groupe et à toi, moi, je l'ai bien vécu. Ouais. Donc j'espère vraiment que ça pourra aider d'autres mamans à un moment où elles sont vraiment dans le mal, dire ok, d'accord. D'accord, on fait une césarienne. Est-ce que justement tu as un message à faire passer aux mamans qui sont à leur accouchement? Alors elles écouteront le témoignage avant, mais si jamais ça leur arrive et que l'équipe médicale arrive en disant là on part en césarienne, est-ce que tu aurais un message pour elles? Eh bien, croyez en vous. Et dites-leur tout de suite, moi je veux accoucher, ok d'accord, mais dites-leur ce que j'ai dit, moi je veux pousser. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que mon bébé, après ça dépend, hein. S'il y a une souffrance fœtale, ça doit être un peu plus compliqué. Mais si c'est dans le même cas que moi, où c'est juste le col qui ne se dilate pas, soyez actrice de votre accouchement jusqu'au bout en fait.
Ok, la fatalité fait que bah, vous avez des trucs qui vous tombent sur la tronche, mais soyez actrice et même du coup après dans la vie. Parce que du coup, de pouvoir avoir été actrice dans mon accouchement, je peux être actrice dans ma vie tous les jours et dans les difficultés, et ça, c'est cool. Ça c'est un truc qui me fait grandir aussi. Donc, c'est pas grave, les filles, vous aurez peut-être. Enfin, si ça vous arrive que vous n'avez pas votre accouchement rêvé sans péridurale, sans césarienne, sans tout ça, bah, c'est pas grave, c'est que vous avez fait le mieux jusque-là et qu'à un moment, bah, vous pouvez juste pas, en fait. C'est pas grave. Regardez. Merci beaucoup Sonia. De rien. Je te souhaite bah, le meilleur pour votre vie de famille à tous les trois. Prenez Merci. soin de vous, profitez-en à fond. Merci. Ça passe trop vite. Ouais, 4 mois déjà. Ciao. Ciao.